Biceps, pectoraux, abdos. Cédric Nankin met son corps à rude épreuve. Plusieurs fois par semaine, lors d'une séance de crossfit. 8, nickel. Cédric souffre d'une agénésie des membres supérieurs et inférieurs. Ses bras et ses jambes ne se sont pas développés correctement dans le ventre de sa mère. Un handicap qui ne l'empêche pas de faire du sport, avec un peu d'imagination. C'est un truc maison. J'ai récupéré ça sur un harnais qui appartenait à ma chaîne qui s'était fait renverser. Et je l'avais rééduqué. Et en fait, le tissu, il est assez confortable. On a fait ça pour qu'il puisse attraper les poignets, quoi. Ah, il reste une 45, là. Allez. Allez, 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 allez. Ça tire fort, tout de suite. Allez, va les chercher, va les chercher. Si Cédric s'entraîne jusqu'à l'épuisement, c'est parce qu'il pratique le sport à haut niveau. Il fait partie de l'équipe de France de rugby fauteuil, championne d'Europe. Eh, mon pote, là. Et je dois continuer à me surpasser pour rattraper les points de retard. Rien n'est simple dans la vie. Entraînement difficile, guerre facile. Ouais, on verra ça. Depuis son plus jeune âge, il se bat pour être autonome. Et l'une de ses réussites, c'est de pouvoir conduire. En fait, j'ai une poignée donc dans laquelle je rentre mon moignon et pour pouvoir tourner le volant. Et j'ai un tiret poussé au niveau de la porte à gauche sur lequel, ben, quand j'avance, ça freine le véhicule. Et quand je recule mon bras, ben, ça accélère. Du coup. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé les voitures. Donc conduire, ouais, c'était inimaginable de ne pas pouvoir conduire, en tout cas pour moi. C'est vraiment la liberté et l'autonomie, quoi, clairement. Une indépendance indispensable pour cet athlète. Quand il se prépare pour un entraînement de rugby fauteuil, Cédric doit encore faire preuve de débrouille pour se préserver des coups. On se trappe. C'est l'unique moyen qui a été trouvé par Cédric après de nombreuses années pour se protéger les bras. Et là, c'est mon fauteuil de sport. C'est un peu comme des chaussures de ville et chaussures de sport. Parce que ben, mon fauteuil de ville ne pourrait pas prendre et encaisser les chocs que ce fauteuil de sport peut encaisser. Bien installé, il est prêt à entrer dans l'arène. L'objectif pour marquer, c'est qu'il faut faire une passe à un de ses coéquipiers qui est dans la zone de marque. La joue pas trop, non. Sur le terrain, il ne faut pas avoir peur du contact. Tous les coups entre fauteuils sont permis. T'es dehors, là. Ça fait beaucoup de bruit, ça impressionne, je pense. Mais clairement, on se fait pas mal, en fait. Spectaculaire. Où c'est ? Le rugby fauteuil est aussi très technique. L'objectif, comme au rugby, est de marquer des essais. Mais avec un ballon rond, plus facile à attraper. Et savoir un peu anticiper le déplacement de l'adversaire, quoi. C'est ça, plus ça, plus ça qui fait que j'adore ce jeu, quoi. Rapproche-toi ! Rapprochez-vous !